دياش هكذا ذلك. احنا الشيء الوحيد المطلوب منا في الوقت الحاضر هو فتح امامكم الظروف وقراءة محتوياتها. اذا كان تسمحوا نبداو باللي تحب. On a prévu le tirage au sort en fait. Donc on va faire un petit tirage au sort pour que tout le monde soit équitable. Donc DRH, HBG Holding et ADH. D'accord, très bien. Ça me prenait. D'abord, je dois m'assurer que tous les plis sont ici. Celui de HBG Holding, celui de UADH. Donc on a bien compris, on a le pli interne. Y compris l'enveloppe. Y compris l'enveloppe. En fait, c'est l'enveloppe globale qui contient les deux enveloppes. Parfait, merci beaucoup. Monsieur le Président, donc à vous de faire la... Peut-être je voudrais, je m'excuse, je m'assure qu'il y a beaucoup de... L'exercice que nous faisons, que Elkaram a mis en place toutes ces opérations et j'espère continuer comme ça, c'est de faire en sorte que toutes les présélections, que tous les éléments qualitatifs sont examinés en amont. Et d'une manière contradictoire avec les consultants, avec les propriétaires, les partenaires techniques, dans le cas échéant, les marques, etc., de telle sorte qu'à la fin du processus, seul le prix parle. Et aujourd'hui, nous espérons faire parler de prix. Alors, donc, si vous voulez bien... Si vous voulez bien, Monsieur le Président, vous allez choisir un parmi les trois ici, votre choix. Si vous voulez bien ouvrir BEH, s'il vous plaît. BEH. Alors, 166 millions 713,474 dinars. C'est VEH, vous êtes d'accord? C'est ça, 166,7 millions de dinars. 166 millions de dinars, 713, pour 474. 464 millions. Soit un prix par action de 142,713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 
dont on n'a pas eu connaissance jusqu'à présent. À présent, oui. Il faut que dans le gardien, pour nous assurer que nous ne sommes pas en dessous. Comme le groupe Chine est très content d'avoir gagné cette société Staffine, nous remercions Al-Karam pour la transparence, pour la diligence. Et maintenant, le travail commence pour le groupe Chine. Et c'est une belle acquisition. Des gens efficaces et discrets. Ça, c'est le mot que je souhaiterais aller transmettre. On travaille toujours très discrètement et on a pris l'habitude de faire les choses comme ça. Voilà, alhamdoulilah. Quant à Al-Karama, j'ai été. Je savais aussi, mais ça faisait plaisir de voir cette transparence absolue.